Mais non, mais vous êtes là. Salut les gars, comment ça va? Est-ce qu'on se retrouverait pas pour le Théas Week du mois? Bien sûr que oui. Les nouveaux sur cette chaîne, déjà bienvenue. Gros bisous à vous si vous n'êtes pas encore abonné, que vous faites pas encore partie de la famille. Il y a le petit bouton juste en dessous. Les Théas Week, ça va devenir de plus en plus une tradition, mais ça l'est déjà un petit peu, ça commence. C'est un vlog de ma semaine. On passe la semaine ensemble, je vous amène au local, je vous amène dans ma vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Théas Week de avril, quoi. On est déjà en avril, par contre. Déjà, j'aimerais dire que j'ai bronzé. Peut-être que vous allez pas le voir, moi je le vois. On dirait que je suis rentrée d'une semaine des Bahamas, c'est faux. J'ai pris des couleurs, j'ai des petites taches de rousseur et tout. Ça me fait trop plaisir. Il faisait trop beau la semaine dernière, cette semaine c'est pas vraiment la même chose. Bof hein, pas terrible. Pour une fois je sais pas vraiment trop ce qui va se passer cette semaine, il y a juste un truc que je sais, c'est que cette semaine c'est fort possible que j'installe mon PC de stream. Ça va être une grosse étape. Je suis actuellement en pyjama. Est-ce qu'on se changerait pas pour aller au local? On va faire ça. Je l'ai déballé, j'avais complètement oublié que je faisais un vlog et que du coup j'aurais pu l'ouvrir avec vous. J'étais tellement excitée de voir ce qu'il y avait à l'intérieur que j'ai complètement oublié la caméra. Bref, je vais vous montrer. En gros, c'est une partie de mon matériel de stream, comme je vous disais tout à l'heure. Puisque je vais m'installer un setup chez moi, je me suis acheté le matériel de base. J'ai pris la stream cam pour mettre au-dessus de l'ordi et j'ai reçu également mon micro. J'ai pris sur les conseils de Bluzy le Blue Yeti X. Je vais vous le montrer quand même parce qu'il est incroyable. Franchement, même moi en arrivant au local, je ne pensais même pas que j'allais me mettre à stream. Il est magnifique. Il est trop beau. Et il me reste ensuite à recevoir mon écran. C'est à Théas Week. Des POG. Je suis content que cette nouvelle semaine commence par un jour férié qui m'a fait galérer pour trouver à manger. C'est à Théas Week, qu'est-ce que t'as à dire? Bah moi aussi, en vrai, j'ai galéré. J'ai l'impression que c'est vrai. Vidéos, on parle de bouffe en fait. C'est vrai. Mais du coup, t'es en sèche de nourriture, tu manges pas, c'est ça, ce midi? Bah sinon, ouais, je bois un petit peu de l'eau qui pique. Ça voilà. Permet de au niveau du transit. Santé. Programme de la matinée, j'ai une vidéo à monter. Ça me prend toute la matinée. Si jamais vous me voyez quitter cette chaise avant 11h30 pour aller manger au local, je suis une connasse. Je vais me mettre là et globalement pas bouger, ça va être le programme de ma matinée. Je suis passée chez Soch. Théa. Je suis passée chez Soch. Je le dis trop bien. Piano, panier, piano, panier, piano, panier. Piano, pianier, piano. Ça j'arrive pas. Elle est trop nulle. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? On est trop fort. On est tout noir. On est tout noir. On est surexposé de ouf. Pourquoi tu ce que je dis? Cet après-midi, il y a un tournage au local. Comment il s'appelle le monsieur? C'est libre de droit, ça ou pas? Oui. C'est Felkin, il a fait les sons de Thibaut Etchem, Julie Catherine. Il a fait les remixes. Et du coup, il est en train de faire une petite vidéo sur la chaîne de Bouzy. Chacun de nous, on va faire un bruit, il va utiliser pour faire un son. La vidéo sera déjà sortie, du coup, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Bouzy, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Une nouvelle expérience au local. Oh, super. Regardez, Mathis est en train de tenir la caméra, je vous montre. Est-ce que ça peut être intéressant? Ah. T'as dit quoi? Il y a des nouveautés au Burger King. Non. Si. On est quel jour d'y aller, hein. C'est dans longtemps, samedi. Mercredi. Non, bah non, c'est samedi normalement. Mais c'est long, samedi. Un midi, c'est mieux. Regarde ta tête. Mathis, faut quitter Burger King maintenant. Non. Mathis, éteins ce téléphone. Mais il défile le menu, je suis mort. J'avoue, t'étais pas là hier. Cette semaine, non. C'est le Théas Week. LMC sur Twitch, je l'ai vu du reste. J'ai cru qu'il allait dire LMC. Bah, moi aussi. Moi aussi, quoi? Je te jure. C'est trop bizarre. T'avais l'intonation d'un mec qui dit allez me sucer. Je te jure, je croyais que t'allais dire ça moi aussi. Alors là, super. Oh, super. Viens, on prend des petits chocolats et on en met dans les affaires de tout le monde. Ils vont retrouver des petits chocolats partout. Je dirais quand je voulais à la cantine. Oui. C'est le dessert du cousin. Vas-y, vas-y. Ça, c'est ton bureau, quoi. C'était pour les autres. Super idée. Pourquoi il y a des œufs dans la carafe? Qui a fait ça? Théa. Qui a fait ça? Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait encore? Je t'ai vu par là-bas tout à l'heure, qu'est-ce que t'as fait à vous? Mais mon bureau est ici aussi. Moi? Dis la vérité. Moi? Théa, une fois. Moi? En fait, tu veux que je te dise mon secret? Vas-y. On a mis des œufs dans toutes les affaires de tout le monde. Bon, j'avais acheté des petits cadeaux de Noël à ceux du local, mais comme je suis un peu, bah, je reporte tout.
synchro tout le temps. Ceux de Théa, Romain et Vincent et Mathis, je les ai mis dans ma voiture fin mars, dans un sac Micromania que j'ai laissé toute la nuit. Et on m'a cassé ma voiture, la vitre de ma voiture, pour me voler des cadeaux qui étaient vraiment pas terribles. Je pensais que je m'étais fait voler tous les cadeaux, mais en fait, bah, ce sac-là est encore pire que Micromania, du coup ils l'ont pas piqué. Donc du coup j'ai encore le cadeau de Théa et de Bouzy. Des chaussettes. On ouvre. Bon, ouais, ça va. Les dieux. Mais non, tu les as achetés. Tu es trop content. Mais c'est hyper rare, ça. Ouais. Merci, Roro. Ouais, de rien. T'es un mec. Pour mon café au local, je vais le laisser là. Mercredi, globalement, c'était pas très intéressant ce que j'ai fait. J'ai passé la journée à travailler et à faire du montage. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager le mercredi de la semaine d'avant, où j'avais passé la journée avec les inachevés à faire plusieurs trucs pour leurs vidéos, notamment un petit concert sauvage de Pidi. Enfin, je dis ça comme ça. Vous verrez ce qui s'est passé. Il nous est arrivé plein de péripéties. Bref, c'est parti. C'est là qu'il fonce. Non, ça me dit pas ce que c'est. Je vais te la mettre après sur les enceintes. Ouais, bah, tranquille quand même. Tranquille quand même, Pierre. Attends. Ok. C'est bon? Vas-y, t'es là. Ah non, mais tu faut. Non, mais. Ah ouais. C'est du verre sécurisé, hein. Ça va exploser, mais pas sur toi avec la bâche. Si se pète et qu'un verre te vient dans l'œil, tu peux perdre ton œil, mais en vrai, ça va être dans l'œil. Pourquoi je t'ai dit qu'il fallait mettre des lunettes de protection? Oh. Ne faites pas ça. C'est bon? Vas-y. Avec tes lunettes de soleil. Ah non, mais. Ah non, mais. Faut y aller comme une porte, hein. Vraiment, vraiment fort. Vraiment fort. Là, plus ça va, plus tu pètes un câble, ouais. J'ai plus jamais là. Non, tu arriveras jamais. Encore, vas-y, je suis sûr que tu m'as pas dit comme un coup. En vrai, faut y aller comme un demeuré, donc faut y aller comme un demeuré. C'est ça. Bah. Du premier coup. En plus, ça fait 1000 fois moins de bruit que moi, je suis dégoûtée. Non, mais en vrai. C'était assez kiffant. T'es stressé ou quoi, Pidi? Bah non, ça va en vrai. Mais je pense que je m'en rends pas compte. C'est plus quand il y aura tout le matos, je vais dire, mais pourquoi je suis là? 12 seconds later. J'ai trop peur! Une impression? C'est trop bien. Est-ce qu'on va être au premier rang, genre? Eh oui, oui, oui! Ah, ah! Ça, on n'entend pas! Ah, mais. Attends, je lance le son, t'es prêt? Mais non, hein! Oui. Vas-y. C'est quel bail t'as encore. Toujours il nous arrive des problèmes. Il y a une vitesse. C'est une honte, Vincent. Ça fait un moment que je l'ai pas rangé. Tu as trouvé une photo de CM2, tu te rends compte? Heureusement que Fabien est là. C'est un peu tard là, il y a déjà les mains sales. Il peut pas y avoir une journée calme. Oh. Avec Pidi, est-ce que vous savez pas trop comment aider? Est-ce que vous savez qui je suis quand je suis comme ça? En vrai, on n'arrive pas à reconnaître, hein. On te reconnaît pas. Vince, touche pas trop à la voiture. Combien de chances sur 10 qu'on en sorte indemne? Bah 100% de chance, hein. Ok, combien de chances sur 10 que ça prenne moins d'une heure? 100% aussi. C'est bientôt fini là, hein. Ah bon? Moi je pense que si c'est ça, j'appelle un camion, hein. C'est cool, ça. Il a déjà changé sur la 4 voies, c'est la pluie et le vent. Bah alors dans ce cas, je t'appelle toi si je crève. Ouais, de ouf. Bah remets les boulons. Servir à quelque chose. C'est long à reculer en moto, mon gars. C'est un carnage. C'est pas une journée, c'est du carnage pour tout le monde, hein. Un carnage. Attends, mais il y a un accident devant nous là, c'est une blague ou quoi? C'est un carnage, on est en train de changer un pneu, on vient de crever, il y a un accident de traversée. Ils sont en train de se fight. Ils vont nous demander de participer au constat en plus maintenant. Oh non! On va faire du repérage pour tourner une IGTV parce que dans le précédent Théaz Week, on a enregistré un petit cover, vous avez vu. Et en fait, on n'a toujours pas enregistré la version vidéo quoi de la cover. Et du coup, on va voir si c'est faisable ici, si c'est sympa, comment faire, etc. etc. Dans les sink. Dès là, je veux faire une... Dans les sink. Donc... Mais là, je veux une photo là, moi. C'est très périlleux, attention. Ça va être spécial. Wow. Il y a un arbre sous l'eau, regarde ça. Ah, ça c'est vraiment magnifique. On a vraiment bien fait de faire... On a bien fait de pas s'arrêter à ce qu'il y a autour de chez nous et tout, tu vois. Ou même au local. Genre on a bien fait de prendre la route et de faire un petit peu de route parce que... Vers là-bas, il y a de la roche. Ah, c'est la Côte d'Azur. Ah ouais, bah là c'est carrément Monaco, c'est le rocher là. Waouh. À Tizosia. Waouh. Il n'en restera qu'un. Ah, ça sera pas toi, vu comment tu pars déjà là. Très belle chaussure. C'est pas du tout des Nike, hein. C'est des Stradivarius. C'est des Stradivarius qui sont comme des Nike. 25 euros.
C'est pour moi. Je suis bloqué. Je me mets là pour que tu t'appuies sur mon épaule. Si je le casse, tu m'en veux? C'est pas le mien, je m'en fous. T'achètes un mité, c'est à qui? Aux inachevés. Aux inachevés? Oh, ils m'en rendront encore, ils vont casser tellement de trucs sur le dos. Notamment mes couilles. La beau. Je me suis donné, j'ai fait genre j'étais de bonne humeur. Alors qu'en fait je m'en bats la rein par terre, regarde comme c'est moche. C'est horrible. C'est une blague. Ma mère m'a toujours dit à peu près 1 km ça peut faire une minute quoi. Ouais, c'est pas faux. Grosso merdo. Un oisal, il est tout seul. Tu veux que j'appelle les canards? Vas-y. Kiki! Regarde, il y a de l'écho. Waouh! Ah, on l'a bien entendu là. Attends, je suis colocal, je pense. 45 Merlin. Stradivarius. C'est des Stradivarius, faudrait quand même pas les salir quoi. Exactement. Waouh. Jamais vu un poteau électrique comme ça. Grégory. On n'a pas pu le goûter, il est tard. Je croyais que c'était un animal. Kikiou. Il arrive. Il y a quelqu'un qui l'en passe qu'on voit pas et qui nous regarde. Qu'est-ce qu'ils font? Non mais par contre. Donne-moi un prénom d'une personne qu'on connaît. Je te donne Vincent comme prénom. Vincent? Oui, Vincent. On arrive, fraté. Alors, Vincent, je l'aime un peu. Pas du tout. Mais tu vas dans pas genre de qui? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah mince, je recommence pour de vrai. Passionnément. Passionnément à la folie. Pour de vrai, tu aimes Vincent à la folie. Révélation. Bah, il n'y a plus qu'à appeler Vincent et lui déclarer ma flamme. Elle a plus aucune gueule. Tiens, Vincent. C'est une pâquerette. Comment on dit, décortiquée. Donc, t'as fait je t'aime, pas ouais. du tout. Alors, oui. Alors, c'était oui. Ma première version, c'était ça. Exact. Je connais tellement par cœur. Attends, mais du coup, j'ai dû faire une deuxième fois. Je suis tombée sur à la folie. Ok. Bah, donc, Vincent. T'as une réponse? T'es ok? Je vous fous de ça à la benne. Non, mais la jette pas! Oh, le bâtard, il a vraiment jeté, je pensais qu'il allait faire une blague. Merci, Théa. Un tout petit bout de fleur comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? C'est vraiment un cadeau qui me touche droit au cœur. Et pour ça. J'ai rien à dire. Non mais c'est pas grave. Attends, j'essaye de trouver un truc stylé quand même. Vous voulez un truc stylé. Je sais ce que je fais. Je vais en chercher une en bas et je refais la même chose pour toi. J'arrive. Je vais me prendre un râteau par Vincent. Après c'est pas un râteau, c'est la fleur qu'on a décidé quoi. Après tu sais des fois, il y en a qui forcent et qui finissent par arriver à leur fin. Je vais refaire le coup de la pâquerette d'ici un mois ou deux. C'est vrai. Dans le prochain Théas Week on refait le coup de la pâquerette et peut-être que il aura cédé un petit peu. Oh. Alors. Je peux le faire quand même? Vas-y. Alors Théa, je t'aime. Beaucoup. Un peu. Un peu. Un peu, beaucoup là du coup. Implique-toi parce qu'on n'a pas beaucoup. Passionnément, à la folie. Ouais. Ah, ça sent pas bon. Hein. Et je suis désolé Théa. Ah, ouais. Mais par contre, je t'offre quand même le petit... Le cœur. Merci. Roro, ouais. Tiens, c'est pour toi. Je vais essayer avec l'autre. Du coup, je suis tombée sur toi et je suis tombée sur à la folie. Du coup, je t'offre la pâquerette. Mais c'est faux. Si, si, je te jure. Non. Si, je te jure. Mais je t'ai entendu, j'étais là. On va essayer avec Roro. Non, mais je te... Non, mais... Je te jure, c'était toi. C'est pour toi. Non, c'est ça notre destin. Pas du tout. Roro. Roro. C'est raté. Non, mais je vais essayer avec Bouzy après son live. Comme ça. Vas-y. Sais, ça va finir sur ta main. Vas-y, je filme. Tu l'as là? Ouais. Ah, mais là, je vais perdre ma peau là. Tiens, un petit peu d'eau. C'est du martini. Si je chope le tétanos, c'est à cause de l'enfant. T'es prête? Tintintin. Toi, tu mets la. Là, normalement, le but c'est de faire ça, de mettre comme ça, et pour impressionner, tu contractes et du coup, le bras triple de volume. Comment tu fais comme ça?
C'est pas petit sou. Tu prends mon bras, mais un peu. Alors, on fait à 0, du coup 3, 2. 0 1. Attends. C'était sa seule technique pour te fumer. C'est clair. Je croyais pas qu'on s'apprécie. Hein. Non, c'est assez désagréable. Heureusement qu'il y a plein de gel. Donc je tiens la main. Tu fais, dès que t'enlèves, on pousse. Ah, c'est dès que j'enlève? Ouais. Ok. Pas dans. Non mais là... Vas-y. Comparons quand même les bras quand même. Là on est sur un x4 quand même. Putain, là j'en chie. Attends. Non, mais toi tu fais pas, t'as vrai. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas faire moins. C'est comme ça. Attendez, on recommence, ok? Vas-y. Attends. Elle est puissante. J'attends, dès qu'il fait un peu de sang. Bon, vous avez vu que hier avec Romain, on a été faire du repérage pour tourner la IGTV. Et du coup, ça y est, on a décidé, on va la faire maintenant. On va aller la tourner cet après-midi. En plus, il y a un petit peu du soleil, quand même, il fait pas trop moche. Plus, on va acheter quelques petits trucs d'apéro et tout, parce que ce soir, en gros, il y a les gars qui viennent m'installer mon setup chez moi, parce que moi, je sais pas le faire. Donc, il y a 2-3 trucs à manger aussi, parce qu'on va y aller après notre journée ici. Là, les NHV, ils sont partis tourner et tout, donc c'est forcément en fin de journée. Et comme ça, je peux commencer les streams ce week-end. On part au stud. Cette voiture qui n'a aucun sens. Oh, mais c'est notre copain. Non, il veut pas. Et là, franchement, avec la chaise, le micro et tout, ça va être trop stylé par contre. C'est une fin de tournage et une fin de tournage réussie. Peut-être bientôt sur Insta, ou alors si je ne la poste pas, c'est que il reste encore des trucs à faire, quoi, et que elle ne sortira peut-être jamais. Mais on va essayer de la sortir quand même. Ça va pas, non? On se retrouve chez moi, on va faire mon petit setup. Est-ce qu'on serait pas en train d'installer le setup de madame? Ça va être incroyable! Où sont tes périphériques? Qui? Le bureau et le clavier sur les... Ah bah j'ai pas pris. Quoi? Bah local. Ah bah je pourrais pas t'installer ton ordi du coup. Je suis grosse quand même. C'est la fin du timelapse, s'il y a pas de timelapse, bah, en fait, finalement. Oui, je peux pas le voir. On a fini, on a enfin réussi à organiser un setup avec Romain. Bon, là il y a mon petit déj et tout parce qu'on est le matin et que justement je voudrais live ce matin. Mais grosso modo du coup ça va être en fond, tu vois, avec les petits LED et tout. Donc voilà ce que ça donne. Du coup mon second écran pour l'instant ça va être mon Mac. Vraiment, sans vous mentir, pour être totalement transparente, là je me chie dessus hein. J'ai très très peur de faire un live toute seule, franchement. Vas-y, faut pas trop que je réfléchisse, je vais appuyer direct sur le bouton, j'espère que ça va marcher. J'angoisse. Franchement le rendu ça fait propre hein. Ça fait très très propre. Il y a les liens de ce que j'ai acheté dans la barre d'infos. C'est des liens vers Amazon parce que j'ai quasiment tout acheté sur Amazon. Bon bah quand faut y aller hein. Comment ça va? Ce plan est nul. J'ai fini le live, on va au local. On va manger au local, on va manger BK. Du coup on a décidé, est-ce que vous êtes étonnés que le samedi midi on mange BK? Je crois que maintenant vous êtes même plus étonnés. Pour la petite anecdote, en début de semaine je filmais pas, mais je me suis rayé ma caisse sur les poteaux de mon parking souterrain. Je vous retrouve je pense en voiture sûrement avec Mathis. On va aller chercher le BK. Bon bah je vous avais dit qu'on se retrouverait avec Mathis en voiture, mais finalement c'est fab. Le samedi midi à BK c'est toujours angoisse quoi. Bon bah du coup on en a pour 25 minutes. Non. Si, je te jure. Waouh! On mange que dans seulement 10 minutes. On a vraiment été aussi proche de déguster. C'est bon, t'as pas un semi mon ref, avance. Fonce Fab! J'ai faim! Moi j'ai 9 onion rings. C'est trop mignon. Aujourd'hui, on est dimanche, mais toujours pas de week-end. Aujourd'hui, on va retrouver l'équipe de Baden. On va retrouver Gizzy, Néoxy, Camille et Lucas. On va au hangar de Néoxy. Et on va tourner des petites vidéos. Il y avait une vidéo pour Lucas qu'on n'avait pas eu le temps de tourner. Et voilà, c'est le programme de la journée. J'ai pas mal de routes. Donc là, je suis déjà très en retard. Putain, on se dépêche. Il fait si froid. Non, moi je veux aller voir là-haut. C'est sûr je vais me casser la figure. J'ai le vertige de ouf et rien que ça, ça me fait super peur. What? C'est trop stylé. Ça te rappelle pas des choses? Oh, j'étais presque. Pour être... Tu t'es mis là? Non, un peu plus près. Mets-toi genre ici et vraiment va doucement. En fait tu fais tout doucement. Ouais, c'est bien.
Voilà pourquoi faut faire doucement, parce qu'il y a des écrans. Et... Je sais pas comment je vais descendre sur les fesses. Alors. Il a un deuxième numéro qu'il a communiqué sur Insta, il y a plein de gens qui l'appellent. Encore plein. Oui, allô ? Canapé. Mais la mondialisation, en fait, c'est une clause qui permet en fait le développement de l'économie mondiale. Bon, le nom. Ah, le développement durable, en fait, c'est hyper important pour pouvoir. Et que le... la bataille de Boulogne a eu lieu en 1914. Allo, allo. Moi, j'ai le hockey depuis une heure et Déjà, je peux dire bonjour au vlog, tu sais ou pas? Salut. Ça va le vlog ou pas? Vous allez bien? Le Théazui, coucou. Ah ouais, Théazui, c'est stylé. Allo. C'est Squeezie. Non, vraiment. Ça se connaît à la voix quand même, c'est Gizzy, tu vois. À la voix, quoi. Ouais, en vrai, bah, tu, si c'est plutôt nous qui devrons demander si tu l'as mis dans ma story. Bon, c'est la fin de la journée, j'ai pas pu filmer beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de tournages, on a beaucoup filmé des vidéos pour un petit peu tout le monde. Là, je vais reprendre la route, je vais rentrer à la maison, donc c'est la fin de cette semaine ensemble, c'est la fin de ce weekly vlog, c'est la fin de cette Théaz Week. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. La bise.